bienvenue sur ma page YouTube. Une autre journée avec exercice. Mouvement saccadé, chose à corriger. Il faut mettre plus de douceur sur les manettes. Là, j'essaye de faire éloigner mon drone de moi, de reculons, et en montant dans les airs. Pas habitué avec mes manettes, donc je pratique pour être sûr de ne pas manquer l'effet que je veux faire. Pour un début, pour une première fois, c'est correct. Ok, on essaye les manettes pour être sûr des mouvements. Et on se lance. Et voilà. Là, j'ai eu peur à mon chapeau. Un petit peu de voltige, là, de voler en allant à gauche, à droite, mouvement saccadé. Le vol n'est pas en douceur. Mais ça fait juste 2 heures. J'ai juste 2 heures de vol. Donc ça paraît. Une fois atteint 1000 heures de vol, si je pilote comme ça, je ne vais pas dire je suis pourri. Oui, c'est très saccadé. Mais on va s'habituer, on va y aller en douceur. Ah. Un petit peu mieux. Là, j'ai décidé de faire un test en hauteur. Parce que on a le droit à 400 pieds pour être légal, 120 mètres. Mais moi, je l'ai ajusté ma hauteur maximale à 285 pieds. Puis là, j'ai voulu savoir comment c'était en hauteur. C'est ce que je suis en train de faire. C'est quand même haut. 285 pieds, là, c'est. La seule raison que je pourrais aller plus haut que ça, ce serait d'être à des endroits où il y a des tours ou des gratte-ciels. Mais pour le moment, pour la pratique que je fais, 285 pieds, c'est suffisant. Il va me rester juste à vérifier pour la longueur, parce que je sais qu'il y a une bonne portée, ce petit drone-là, mais. La loi, c'est qu'il faut piloter à vue. Puis vu qu'il est petit, là, ben, je l'envoie quand même assez loin. Mais aussitôt qu'il est trop petit, là, c'est ce qui arrive, c'est quand on le met avec l'horizon, quand il est à hauteur du ciel, il est plus visible. Mais quand il descend à hauteur des arbres, on dirait qu'il disparaît. Donc, il faut le garder plus proche. À mon prochain vol, je vais vérifier voir la distance. Que je vais regarder sur mon contrôle pour savoir combien de pieds que je peux l'envoyer. J'ai essayé de descendre ça en étant un petit peu en douceur, juste pour être capable de me permettre de voir qu'est-ce que ça donne. C'est mieux. Ça va se saccader un petit peu là, parce que je vais tourner. Je me prépare après mon atterrissage, mon landing, mais je ne veux pas atterrir dans la roche, fait que je atterris dans le gazon. J'ai commandé un tapis, je ne l'ai pas reçu encore, je l'attends. Et je vous remercie d'avoir regardé, c'était pas grand chose, mais c'était ça.
Si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, sinon en bas, ça ne dérange pas. Puis si vous pouvez joindre ma chaîne YouTube, ça me fait plaisir, ça me ferait plaisir. Fait que merci, bonne journée.